Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une idée pour un goûter ou pour un snack sans gluten et sans lactose. C'est le chocolat Reese's, le fameux chocolat américain à base de purée de cacahuètes. J'espère que la recette vous plaira. Du coup, on aura besoin de 200 g de chocolat noir fondu, 35 g de miel que vous pouvez remplacer avec du sirop d'agave si vous voulez, 20 g d'amandes en poudre, je vous conseille celles du Lidl, elles n'ont pas de traces de gluten, 110 g de purée de cacahuètes et une bonne pincée de sel. J'ai commencé par mettre des petites caissettes en papier dans un moule de muffins. Et ensuite, j'ai pris environ une cuillère à soupe de chocolat noir fondu et j'ai mis dans le fond. Et avec le dos de la cuillère, je fais monter le chocolat dans les contours. Dès que j'ai fini de faire tous les caissettes, je les mets au congélateur. 15 à 20 minutes. Dans un grand bol, je mélange la purée de cacahuètes, le miel, les amandes en poudre et le sel. Après 15 minutes au congélateur, je mets environ une bonne cuillère à café de mon mélange par-dessus le chocolat. Je l'aplatis légèrement avec mes doigts. Et je finis par mettre le chocolat fondu par-dessus. Et comme au début, j'en mets bien sur les côtés. Et je les mets au congélateur 15 à 20 minutes. Je vous conseille de les démouler délicatement. Et si vous avez des cassettes en silicone, c'est encore meilleur. Voilà la recette d'aujourd'hui, des Reese's sans gluten et sans lactose. Tellement bon et tellement facile à faire. J'espère que vous allez tester la recette. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur mon Instagram. Ciao, ciao!